Ok. 1-1. Chef. On se met à côté, non? Oui, on se met à côté. Yes. We stand close. Can you hear me? Yes. 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 It's yes. Yes. Okay. Just two words. Today I'm really, truly, madly, deeply honored to be here, to be of and have the pleasure of being of assistance of such an honorable chef like Chef Aitz Pitarte, who has come today to Copenhagen with another friend, a close friend of him, René Moss, that we probably all know this guy. I really think he's one of the most popular winemakers here in Copenhagen, because I've been visiting a few restaurants, and every restaurant has a wide selection of his wines. So, why are you close friends? How do you become friends? Did you first met the man and you became friend with him, or did you first meet the wine? Si j'ai bien compris. Oui. En fait, j'ai connu René Moss parce qu'on on a cette gamme de vins chez nous, au Châteaubriand. He met Moss through his wines, because they sell his wines in his restaurant, Le Châteaubriand in Paris. Et depuis le début, on travaille avec, avec les vins de René et plein d'autres. C'est so they sell his wines and many other winemakers, mostly nature wines, right? Voilà, c'est uniquement des vins naturels qu'on a au Châteaubriand, c'est just nature wines. Voilà. 100%. Ouais. 100%. Ouais. Et il me semblait important de parler de vins nature dans ce festival, mm-hmm. parce que c'est quand même une part importante du repas. And I thought it was interesting to talk about nature wines because it's a very important part of the meal in a restaurant. Voilà. Vous êtes d'accord, René? Oui, tout à fait. Micro Andrea Petrini. Yes, can you hear him? No. Okay. There you go. On avait. On avait... Be nature. C'est pas très facile d'être nature quand il y a autant de monde qui nous regarde, mais. On avait déjà parlé longtemps de plusieurs fois du vin nature et de la cuisine, hein? De faire aller les choses ensemble, ce qui paraît logique. Talking a lot about natural wines and cooking, so they thought of doing something together. Ce qui paraît logique quand on voit le souci des chefs modernes de trouver des produits de grande qualité, des légumes. When you think about chefs and all the problems that they have, that they struggle to find natural products and so on. Donc c'était la base d'essayer d'accompagner ces produits les mieux choisis avec un donc les mieux choisis ça veut dire originaire d'une agriculture biologique. So the idea was to accompany these products that the chefs look after and they choose from the natural agriculture. With natural wines, I suppose. Oui, tout à fait, oui. Et donc, le minimum, c'est de mettre avec ces beaux produits un vin le plus naturel possible qui peut trouver des accords, des saveurs concordantes, quoi. So, if I got it right, natural wines very well match with natural products from the ground. Oui. Natural vegetables and so on. Mais les vins naturels proviennent eux aussi d'agriculture biologique et c'est le premier travail quoi. So and he says that natural wines also come from the natural agriculture, so there's not a big split, a big gap between the vegetables, the products and the wine. So there's not a big gap, if I may guess, between. Je comprends rien quand tu parles anglais. Okay. So there's not a big gap between your wines and the cooking. Il n'y a pas de différence entre la Non, la non, c'est fait pour aller ensemble. C'est le. So what are you going to do today? La meilleure façon après d'en parler, c'est de les goûter. On va vous faire goûter un vin de René avec un petit plat qu'on
qu'on fait nous au Châteaubriand. To let you have some tasting of a wine by René Moss, followed by a dish. Pardon. Et après la dégustation du vin, il y aura un plat. En même temps, oui, on va vous faire goûter. Enfin, René va peut-être un peu expliquer son travail. Oui, bien sûr. Let's go and repeat the hard part. Ça va être très technique, j'imagine, non? Non, on va pas parler technique. On va juste dire que, en fait, moi, je suis dans une région à l'ouest de la France. Donc, il travaille dans une région à l'ouest. Il works in the western part of France, of course. Dans la vallée de la Loire, en Anjou. The Loire Valley. En Anjou. Et donc, je suis installé là-bas depuis une quinzaine d'années. Et he started, say, 15 years ago. Et j'ai toujours eu l'idée de faire du vin le plus naturellement possible. And he always wanted to make the purest, the more natural wine as possible. Avec le souci d'une agriculture biologique et de ne pas polluer et de préserver la terre pour les suivants. A biological agriculture in order not to pollute the ground. Voilà. Donc j'ai commencé dans ce travail-là, en cultivant des vignes, en faisant pousser des vignes, en faisant plonger les racines pour que les vignes se nourrissent du sol et non pas d'engrais. So the idea was to let the vineyards, the vignes, to spread the roots into the ground, to feed into the ground, oui. Instead of taking the nutritious elements from outside. Donc les raisins produits donc sont gorgés de nutriments naturels et de levures naturelles, des levures. Parce que les levures, c'est ce qu'il y a de plus important pour la vinification. Et donc, dans une vinification naturelle, on n'utilise aucun intrant, pas de levure. So, les levures, I think levure is yeast, right? Yes. Oui. Yeast is the most important thing. And he really stresses that his wines, they just relied on the yeast, right? Oui, que toute l'histoire, toute la fermentation, toute la vinification va se passer grâce à ces levures. That's where all the whole vinification. Donc c'est le plus important, quoi. Yeah. Any suggestions to Sébastien Châtillon from the official sommelier of the Châteaubriand, right? Oui. Probably have something important to say to us. Après, moi, je vais rejoindre un peu ce que disait René, en fait, c'est sur les vins nature, c'est respecter le terroir, chercher les vraies saveurs des produits. Respect le terroir, respect the real savors of the products. Et d'avoir des choses vraiment, chaque vigneron a des choses particulières, propres à sa manière de faire, propres à ses... Each winemaker has his own way of doing, his own philosophy, his own universe, right? Ouais, donc, tous les vins sont différents, donc sur la cuisine d'Ignaki, où il y a un univers très différent, sur les repas... So, all the wines are different. And so, Inaki's cuisine, you said it's different. What do you want to say? Il y a des, comme là, il est parti en Espagne. Il a des influences espagnoles. Des fois, il part au Japon. Influences japonaises. It's kind of criss-cross. He comes from close to Spain. He has been traveling a lot, so he has probably many influences. Voilà, c'est ça. Et du coup, comme chaque vin est différent, on peut apporter des accords, pousser les cuisines, chercher des arômes, développer des saveurs qui sont pas dans les plats, chercher des des puissances calmées. So the wine can stress some of the things that are inherent in each of Inaki's dishes. And what I must say about add, si je peux rajouter, is that normally at the Châteaubriand, since the beginning, you could choose your wine à la carte. They had a quite nice, really rocking wine list. But since a few months, Sebastian insisted to add also another option to make a wine pairing. I know that the wine pairing is the official way of doing, especially in the Nordic restaurants, where every restaurant proposes a wine pairing for all the menu. But you have not seen that very often in France in a so-called bistro or neo-bistro or
Ce n'est pas très courant de voir proposer les mariages vin, vin, mai et vin en France dans un dans ce cadre-là, dans le genre de, d'établissement que les vôtres. Mm-hmm. Peut-être, oui. Oui, oui. Oui, oui. Ouais. Puis du coup, on part sur un rapport aussi où, comme les vignes ne sont pas traitées, on conserve les terroirs. Donc du coup, on n'abîme pas non plus les cultures qui sont à côté, ce qui permet, si les personnes travaillent dans la même optique, de garder des sols propres et vraiment l'expression du terroir. Since the wines are not treated, since the grapes are not treated, they preserve, they don't pollute the ground, they don't pollute the other grounds around. So if everybody is walking that way, the world is spreading up. The same attitude of paying attention to the ground, etc., will spread up. Et en plus, les vins des vignerons nature généralement reflètent la personnalité des personnes. Hein. And moreover, natural wines from this kind of winemakers, they always reflect the personality, the philosophy. Ouais, c'est ça, de toute façon, ils vont pouvoir le voir avec René, quelqu'un de très attentif, très. See, René is a very attentive kind of person. Ouais. Very gentle, I suppose. Ouais, j'ai travaillé 3 ans et demi avec René en fait. Okay, I can tell that first Sebastian, before starting a new life as the probably most sommelier working in Paris today, he has been working for 3 years with René Moss in the wine years. How did you leave his departure when he said that? Goodbye, father. I'm going to live another life. I'm his father. Hein? Comment avez-vous vécu ce départ? Non, mais c'était normal. Il faut que les oiseaux s'envolent du nid. We have to let the birds fly and leave the nest. Mais en fait, je suis très content de ce qu'il fait maintenant. C'est René en fait qui m'a présenté Iñaki. Hein. That's him who presented you to Iñaki. Ah. How did you guys meet, you and Iñaki? Ben, je l'ai connu, il était enfant. Quand ouais. À la plage. Ouais. À la beach. Voilà. Je connaissais sa mère, plutôt. Non, I'm joking. Okay, you're joking. He said that he knew his mother. At the beach. Et on l'a envoyé jouer au ballon. Okay. And he always asked, Iñaki, please go away and play football. Somewhere else. Non, mais moi j'ai connu Iñaki quand il est arrivé au Châteaubriand et moi c'était un restaurant que je connaissais déjà avant. Avant, oui. Je connaissais. Donc on s'est rencontrés là, puis il a aimé le vin et ça s'est bien passé. That's how the friendship began. Mm-hmm. C'est comme ça qu'ils sont devenus copains. Voilà. And that's how they became friends. Ouais. How shall we proceed? Shall we go with the wine? Will you start preparing your very long and complicated dish? Pardon? Tu vas faire ton plat très long et compliqué? Bah c'est rapide. Hein, si vous voulez parler rapide. Un petit peu encore du vin, ouais. C'est on peut. Hein. Oui, ben ouais, on peut. Yeah, on peut. Oui. What kind of wine are we going to taste? What, c'est un vin blanc d'Anjou. Cépage Chenin. C'est un très beau terroir qui s'appelle les Bonnes Blanches. It's a terroir called les Bonnes Blanches. Ouais. Les Bonnes Blanches, c'est le nom des petits cailloux blancs qui sont à la surface. C'est des quartz et des schistes. Yes. Oui. Schiste dégradé. Et c'est un très beau terroir qui produit des vins avec beaucoup de volume et de tension en même temps. On va commencer. On y va, on commence. Oui. Ce que je voulais dire aussi par rapport à l'accord avec la cuisine et ce type de vin, c'est sur l'aspect vivant en fait de la cuisine, des produits, et puis le côté vivant du vin par rapport à des vins qui eux au contraire sont plutôt
mort, quoi. And the marriage between his wines and his cooking, it lays on the notion of vivant, lively. His wines are very lively, and I suppose that means that Inaki's cuisine is very lively, it's very full of tension. Even sometimes nervous, performing nervous. Du sel, vous avez En plus, sur un plat comme ça, tu arrives sur des... La salicorne très iodée, en fait, a un rapport justement terre-mer en fait entre le vin et. And on this dish, there's a link between the ground and the sea because I think I understand it's a kind of risotto with salicorne. How do you say? See? Same fire. Et du coup, en fait, ça t'apporte un accord terre-mer. On y va, hein. Un choc, en fait, on pouvait commencer. Les produits de la mer. Si, ça va marcher. Si, si, ça va. Ça vient. Ça vient. C'est plus intéressant en fait. Chercher des choses qui sont identiques, ça amène rien en fait sur les plats. That's what it's interesting to try to get the confrontation. If you make things, if you put things together that belong to the same universe, the same wavelength, that's not very interesting. So on va sur la même base et du coup ça a pas d'importance. Alors que là, il y a un vrai choc entre le, justement le côté très caillou, très terroir et le côté mer de la salicorne. In this wine pairing, there's a real nice clash between the terroir thing, the rocky mineral thing on y va. Of these wines and et le terroir et le côté salé. On y va, fait, les enfants. En fait, and ça, the salty, saltiness, seaness. Tu veux un verre en fait. Voilà, et du coup, on part sur un rapport où le vin apporte quelque chose au plat et le plat apporte quelque chose au vin, en fait. Vas-y, vas-y. Tout ça, là, c'est beaucoup, c'est énorme. Hein. Il faut accélérer, là. Il y a toujours dans la cuisine d'Inaki toujours un rapport entre la terre et la mer. Dans les plats de poisson, il y a un rapport à la terre. Dans les plats de viande, il y a un rapport à la mer. And he just says that quite often, even always, in Inaki's cuisine, there's a link or a clash between the ground, the sea, from different elements that rely on these two the things, the one, the land and the sea. On peut dire ça, qu'il y a un rapport entre la terre et la mer dans ta cuisine. Ah oui, j'aime bien ça. Ouais. Mais... Donc, j'explique un peu la recette. Donc, c'est un risotto dans lequel on va retrouver des notes de un peu de moule marinière. In his risotto, he thinks he can convey some notes of the mussels marinière. Voilà, grâce au côté iodé un peu de la salicorne. And he has the saltiness of the salicorne. Et donc c'est une recette très simple. C'est en partant de l'idée d'un risotto, mais qui n'est pas un risotto évidemment de riz et cuit longtemps. C'est un faux risotto. C'est un peu l'idée de cette chose gourmande qui se mange comme ça. Why is the fake risotto? Parce que en fait on va couper les salicornes en à la taille d'un riz, à peu près, grosso modo. Voilà, et c'est ça notre riz, la matière du plat. Avant, on a fait une crème de persil, donc c'est juste du persil blanchi. Okay, so the first cut of the salicorne, they put it into the size of a grain of rice, and they also made previously a parsley puree. Voilà, persil. How did you do your juste du persil blanchi mis dans un contenant de Paco Jet. On le met au congélateur et on le mixe. Enfin, comme tout le monde sait ça ici. Et après, on a fait des échalotes. On démarre vraiment comme un risotto. Sauf qu'on a préparé nos échalotes et on les a vinées. C'est la base. Et c'est un risotto qui va se lier très rapidement à la minute, mais bon, on a un petit peu pas l'habitude de ces inductions. So then they do the risotto little by little as a normal risotto is done. And what I should add, et après, il est monté au bain. As I proudly asked Agatha Feluga, she is
100% Italian to do the risotto. Exactly. Only Italians can do risotto, right? Yes, sir. Please welcome Agata Peluga, please. And Paul. And Paul. Yeah, okay. Donc voilà, il ne nous reste plus qu'à, le terminer, puis on va vous le faire goûter. That's it. Hein? You just need to finish the dish, so then you will taste it, and that's it. Voilà. You don't have anything more to add. Dans la recette, il n'y a rien d'autre. Hein. Donc, et il y a du beurre. Voilà. You need butter. Yeah, I need butter. I need butter. We put butter. While they do the risotto, maybe someone over there has an irrepressible urge to ask a question. To René, or to Inaki, or to Sebastian, or to Agatha, if you want to, tu veux plus de crème? To ask something, please raise your hand. I have a question. Okay, chef. Why is it important for Inaki? Why is René Moss important to Inaki? Why does he bring him here? Why has René Moss influenced his cuisine? Pourquoi t'as ramené René ici? Pourquoi yeah, and why has he influenced his cuisine? Why is he important into your cuisine? Parce que dans ma cuisine, comme dans ta cuisine, il y a cette recherche quand même de produits dans sa meilleure qualité. Because in my cooking, as in your cooking, there's also always this research of the best product. Do you think that your restaurant would be less than it is today if you didn't have these relationship with these people? La place du vin dans mon restaurant est très importante, et cette place elle est dédiée au vin nature. Et wine is very important in my restaurant, and in my restaurant this space. Et je suis persuadé, je ressens comme ça, que c'est cette cuisine-là va évidemment, c'est par logique, aller beaucoup mieux avec ce genre de vin qui me parle beaucoup plus, qui me touche beaucoup plus. I am 100% sure that my cooking really fits with this kind of wine. Et en dehors de ça, de toute façon, ce sont des vins que j'ai découverts il y a quelques années maintenant. Ça a été vraiment une révélation, ça a été un choc, et je ne pourrais pas revenir en arrière. And in any case, I discovered these wines a few years ago, and that day it was a shock. And I'm not going backwards now. I'm not going back to traditional kind of wine making. Il suffit de les goûter pour comprendre tous ces vins naturels, en fait. On y va. All right, we'll have a tasting now. Voilà. So actually, I guess that the wine you have, you shouldn't finish it all, because I think the idea is that you taste the food and the wine together and see how these two people inspire each other in their connection, and then you see it in their two products as well. Ouais, il est là. Il est là. Il est où, le sel? Il était là, le sel. Inaki, if I can ask you a question about the recipe. Oui. Why did you think of taking a plant that grows in the beach in salty water and make it into a risotto? Risotto? En fait, cette recette, je l'ai faite avec ce que j'avais dans les frigos un jour, parce que Frédéric Rasser Armé. So I did this recipe one day because I had these things in my fridge, and that day Frédéric Rasser Armé, she's a journalist, a writer, a cook, a consulting chef. She's a very nice. And funny person. Elle m'avait demandé de faire une recette toute verte pour son livre. She asked me for a book, I suppose, to prepare a recipe, a green recipe, a green dish. Voilà. Et j'avais rien préparé avant qu'elle arrive, et j'ai fait mes frigos et j'avais ça. And of course,
he had not walked before she arrived, so he went, he opened his fridge, what do I have, voilà. What kind of green products do I have, and he had some salicorn. Voilà. That's how the idea of making this risotto. Ouais. Et en fait, c'est, le résultat est assez, enfin, moi me plaît parce que c'est, ça reste avec la sensation d'un riz claquant, et c'est plus frais qu'un riz, c'est autre chose, mais il y a ce côté gourmand. And what he likes is that, bon, je peux aller servir. You still get the idea of the rice. Of course, it's not rice. It's a different texture. Il est bouillé, assaisonné. The sensation of the rice plus a certain pressure. Il a trop d'acidité. Il a trop de persil, non? Hein? Et les échalotes. And René, pas trop de persil, hein. Ouais. Je n'en ai jamais goûté. On a ajouté du beurre. C'est vrai. So, that's a kind of a scoop. René has never tasted, René Moss has never tasted this dish. J'ai mangé plein de fois chez Iñaki, mais j'ai jamais mangé de. The other René, has you already tried this dish? The other René. No, I haven't. No. I haven't. The samples are coming around here. Ouais. Did you have wine, all of you? No? No. Who's missing? There's wine here. Your hands up. Who didn't get some wine? And we'll try and. Tu mets du vin, hein? Tu veux du vin encore? Anybody else need wine? We all need wine. Come on. Ah yeah. Mathias needs some wine. That's yours, chef. Yeah. We need this. Mais ça le fait. Ouais, il faut du sel, hein. Ouais. Un pot de riz, tu veux quoi le... Tu veux le... On y va, on sert. Mais tu veux la quoi, la casserole? Allez. Hein? Ok, casserole. On va servir. Combien de cuissons? Combien de cuissons? C'est prêt ou... Hein? Combien de minutes de cuissons? S'il te plaît. Il faut le filer à l'ombre. Oui. Nearly finished. On y va? Still a few minutes. Juste là. Also working. You can maybe right, you can take the Laurent Cabut from the Chateaubriand and Guillaume, right? Guillaume Cabut. Maybe you can take the yeah. Really, no questions from the crowd? No questions at all? Yes, there's someone. I can see you. Can you go through the whole dish again in English? I think I got it completely. So his dish is, in fact, he invented this dish because a journalist came to him and said, I want you to cook a green dish. And then Iñaki, he's known worldwide as one of the chefs that cooks truly and 100% with intuition. Maybe it's not obvious to everybody, but there's been a tendency in gastronomy that cooking becomes more and more, you can say, like a collection. You plan it so well ahead, and then when everything is planned to the slightest detail, you let it go. And intuition has lost a little bit. And he's known for kind of just using his Fingerspitzgefühl and cooking through his intuition. Oh, he cannot. If you ask him for a recipe, he won't give it to you because he doesn't know what it will be. It changes constantly. And then he came up with this idea of cutting the small sea plant into rice grains and stewing them together with parsley. And that's basically it. So a risotto. And then... Or a fake risotto. A fake risotto, yeah. But it's not the first one to invent a so-called fake risotto, right? No. No. As you might know. Yeah. T'as tout fait là, t'as tout, ouais. T'as pas tout fait la salicorne? Pourquoi t'as pas tout fait? Pourquoi? Of course, chef Iñaki. Dans la gamelle? Is that what you call it? Sorry. Non.
Mais il fallait tout faire. On ne peut plus rester là, ici. Sorry, Pontus. Take this. More like a band. Yeah. Do you agree, René? I agree completely. They farm them, I didn't know that. They farm them in parks. I thought it was just a wild thing. And then now you also actually have a little opportunity to see how it is behind the scenes for those who are not in the kitchen. This is just one dish. No. Since there's no many questions from the crowd. Finish. No plate. What did you think the first time you put your feet into the Chateaubriand a few years ago? Another? You like another? So, my first Chateaubriand experience, bon, bon. I love it, he doesn't know what's going on. Is it delicious? Does it taste good? Yes. Oui. No, if I might also ouais. explain a bit more of the Chateaubriand that people might not know about his restaurant. You know, he's become extremely well-known, famous, in fact, and he operates a simple bistro, he calls it, with 30 to 40 seats. It's quite non-fine dining. There's no candelabras, there's no fine tablecloths, there's nothing other than really, really good food. They have it's not bistro in the sense that you get a terrine with soutane jelly. You actually get modern food. And the first time I ate there, I thought it was just a revelation this time because it was more, it showed me where fine dining is heading. And when I eat his food, maybe you should try to do the same. Tor, he told us that we were landed in a spaceship. Take a bite of this food and imagine yourself sitting surrounded by fine silverware, candelabras, weighted by tons of people in butterflies. This is truly, truly, truly world-class cooking, in my view. And it's just taken straight down to the core, which is the food and the people around it. Everything else somehow is pretense. Everybody had a taste? Yeah. Delicious? Inaki Agintarde. Merci à René. Raymond. Merci beaucoup. That's it. Thank you. Thank you.